Je suis venu avec le coordinateur Ablaye Daoudo Diallo, ministre des Infrastructures, pour quand même effectivement aujourd'hui clarifier des positions fortes du département, des positions effectivement de l'ensemble des populations de Podor. Il est sans contexte, il est aujourd'hui le coordinateur du département. Le président l'a réformé lors de la dernière effectivement, réunion au niveau du Palais de la République. Mais nous savons aujourd'hui, pour une cohésion du département, il faut effectivement en fait un responsable, et le responsable c'est lui. Si nous voulons travailler pour le département de Podor, l'intérêt de Podor, nous devons effectivement avoir une forte cohésion au niveau pour qu'on puisse effectivement relever les défis du développement. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas effectivement être responsable, être coordinateur de l'appareil. Donc, c'est une invite à l'ensemble des responsables qui aujourd'hui ont pris une autre voie que ce n'est pas la bonne voie, la voie juste, la voie effectivement en fait. Demandé et réclamé par les populations, c'est de s'unir ensemble derrière le coordinateur du département pour qu'on puisse relever les défis du département de Podor. Donc, sous ce rapport, véritablement, je pense quand même c'est une très grosse erreur aujourd'hui que les gens puissent amener les populations effectivement à réfléchir autrement ou à ne pas suivre le coordinateur qui est ici présent. Donc, nous tous unis, aujourd'hui, nous reconnaissons sa légitimité, nous reconnaissons sa légitimité historique parce que lorsque l'appareil a été créé, il était le seul qui était là. Et je pense que cette légitimité, il a toujours et nous comptons toujours à le suivre parce que même nous ne pouvons pas avoir beaucoup de patrons dans ce département de Podor. D'où ce rapport, véritablement nous tous unis, nous allons faire une tournée dans tous les arrondissements pour porter la bonne parole aux populations, pour effectivement en faire ces démos de la division puissent s'arrêter et que pour qu'on puisse travailler et relever effectivement le développement de Podor. Merci beaucoup.